Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, Église de Dieu vivant. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les hommes de Dieu. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ et notre pasteur. Le pasteur Monsieur qui m'a donné l'occasion d'être devant vous. Amen. Que Dieu le bénisse et bénisse toute sa famille. Amen. Pendant que vous êtes debout, il y a quelqu'un qui revient de Boué, prédicateur de Boué, qui veut shalomer l'église. Amen. Le frère va passer. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le frère Hervé, beaucoup me connaissent ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Exode chapitre 12, versets 1 à 6. Je crois qu'on peut lire ensemble. Ça ne dérange pas. Amen. Alors, nous allons tous lire ensemble. Lisons. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. » Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Amen. Amen. Rapidement, continuons 13, chapitre 13, 17 à 18. Vous y êtes? D'accord, allons-y. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour pour le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur Kesvino peut venir prier pour la parole. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, bénis, loin, inspire et soutiens ton humble serviteur à la chair. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Pouvez-vous asseoir?
Pendant que vous êtes assis, je vais lire Galates chapitre 2, versets 1 à 2. Galates, c'est dans le Nouveau Testament. Après Corinthiens. Chapitre 2, versets 1 à 2, nous lisons. 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêchais parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Amen. Aujourd'hui, je ne prêche pas, mais je témoigne. Mais mon témoignage est un peu bizarre. Ça a pris un titre. Amen. Mon témoignage s'appelle 14 ans après. C'est tout. 14 ans après. 14 ans après, quelque chose doit se passer. 14 ans après, c'est le tournant des choses. 14 ans après, c'est le changement. 14 ans après, l'homme doit avoir certaines choses qu'il n'avait pas. Comme disait notre sœur, il dit, frère Branham, j'ai un témoignage pour Dieu. Amen. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Je ne suis pas ce que je devais être. Mais une chose est certaine, je ne suis plus ce que j'étais. Amen. Voilà le témoignage de notre bien-aimée, notre précieuse sœur. Et nous aussi, nous avons un témoignage 14 ans après. Quelqu'un peut dire amen? Mais c'est quand on parle de 14, Dieu est dans les mathématiques de Dieu, quand on regarde 14, c'est 2 fois 7. Quelqu'un peut dire amen? Parce que quand nous voyons l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS a sa façon de voir les choses. C'est-à-dire, selon l'OMS, de 0 à 5 ans, l'enfant est bébé. De 5 à 10 ans, l'enfant devient enfant. De 10 jusqu'à 19 ans, c'est un adolescent. Amen. Mais ce n'est pas comme ça pour Dieu. Amen. Dieu dans le chiffre 7. Amen. Il aime le chiffre 7. Et chez Dieu, l'enfance, c'est de 0 à 7 ans. De 7 à 14 ans, plutôt, les bébés, c'est de 0 à 5 ans. De 7 à 14 ans, vous êtes enfant maintenant. Et à partir de 14 ans, vous tendez vers la maturité. Et c'est à 21 ans qu'on atteint la maturité. Amen. Nous avons la maturité à 21 ans. C'est comme ça que Israël ne considérait pas l'âge de la majorité à 18 ans, comme chez nous. Israël, l'âge de la majorité, c'est 21 ans. 3 fois 7. Amen. Pourquoi? Parce que même dans les sacerdoces lévitiques, un lévite, un enfant qui est né dans la famille des lévites, cet enfant doit être gardé comme bébé de 0 à 7 ans. Quelqu'un peut dire amen? Et quand on arrive à 7 ans, il y a un changement. Amen. Frère Branham dit, chaque 7 ans, dans la brochure, l'accusation. Et paragraphe 11, il dit que chaque 7 ans, votre vie change. Amen. Chacun de nous a une vie changée chaque 7 ans. Et je disais que les Lévites ont de 0 à 7 ans l'âge du bébé. Et maintenant, quand on dépasse 7 ans, on atteint 14 ans, c'est-à-dire de 7 à 14, c'est un enfant. Il n'est pas encore un adulte. Amen. À partir de 14 ans, on prend maintenant l'âge de la maturité. C'est-à-dire on est adolescent, on est dans la zone de turbulence. Et cette zone s'arrête à 21 ans. Et si vous êtes lévite à 21 ans,
vous rentrez dans le tabernacle pour faire le stage. Quelqu'un peut dire amen? Mais si, par exemple, comme les Lévites avaient 3 familles, ils avaient des Merari, il y avait des Kehatites, il y avait des Gershonites, ce sont les enfants de Lévi, mais Dieu a choisi la famille des Kehats pour qu'il y ait les grands sacrificateurs dans cette famille. Les autres Lévites sont des Lévites tout court. Mais ceux qui sont dans la famille de Kehat, à l'âge de 21 ans, il fait le stage comme sacrificateur. Et quand il atteindra 30 ans, c'est là qu'il va travailler comme sacrificateur. C'est comme ça que Jésus a commencé le boulot à 30 ans. Parce qu'il devait être sacrificateur. Amen, amen. Disons que Dieu, dans les mathématiques, dans ses mathématiques, il considère beaucoup le chiffre 7. Amen. Le chiffre 7 plus 7 égale 14. Et 14 ans après, en route vers la maturité, quelque chose doit arriver. Et quand nous lisons dans la Bible, nous voyons que Israël, quand il est parti, Jacob, quand il est parti chercher femme, la Bible dit qu'il a travaillé 7 ans pour épouser Léa. Quelqu'un peut dire amen? Il a travaillé 7 ans et Léa symbolise l'église d'Israël. Léa symbolise Israël. Amen. Et Israël a fait 7 âges. Amen. Le premier âge, c'est l'Exode. Le deuxième âge, c'est dans le désert. Le troisième âge, Israël en Canaan. Quatrième âge, c'est l'âge des juges. Cinquième âge, c'est l'âge de rois. Et sixième âge, c'est l'âge des prophètes. Au septième âge, c'est l'âge de la restauration. Amen. Nous avons quelque chose à dire sur l'âge de la restauration. Amen. Si nous ne le disons pas aujourd'hui, demain nous le dirons. Amen. Et avec cet âge-là, avec toutes ces choses-là, Israël représentait Léa qu'on avait épousée 7 ans après. Amen. Et quand on regarde Rachel, qui est l'image de l'Église, la Bible dit que l'Église aussi doit faire ses 7 ans. L'Église a fait ses 7 ans. On a commencé par Éphèse, c'était avec Paul. Après est venu Irénée. Après Irénée, Martin. Après Martin, Colomba. Après Colomba, John Wesley. Après John Wesley, Martin Luther. Après Martin Luther, John Wesley. Après John Wesley, c'est William Marion Branham. Amen. L'Église a parcouru 7 âges. Et tout ça là, vous prenez 7 plus 7 égale 14. Amen. Alors que notre titre, notre sujet, c'est 14 ans après. 14 ans après, c'est comme 14 jours. Quelqu'un peut dire amen? La Bible dit qu'Israël devait prendre un agneau ou un chevreuil, comme on a dit, et garder cet agneau, un agneau d'un an, l'observer, et on doit observer l'agneau 14 jours durant. Amen. La Bible n'a pas dit on observera celui qui a l'agneau. Quelqu'un peut dire amen? Même dans le tabernacle, quand un homme a péché, il se présente avec un animal et il impose la main sur l'animal. Il transmet son péché dans l'animal. Amen. Et ce n'est pas l'animal, ce n'est pas l'homme qui a péché qu'on regardera, mais on va regarder l'agneau. On va regarder le sacrifice. Amen. Il en est de même en Égypte, là où ils étaient. Et quand ils ont présenté l'agneau, on a observé l'agneau 14 jours durant, mais on n'a pas observé la personne qui a présenté l'agneau. Il peut être Corée, il peut être Datan, il peut être Abiram, il peut être On. Tous ces rebelles-là, on ne les observait pas. Et le prophète dit, même si quelqu'un n'était pas un Israélien, s'il pouvait mettre le signe, prendre l'agneau, observer 14 jours après, il aura le signe. L'ange de la mort ne le frappera pas. Il devait garder ça. Amen. Voilà pourquoi. C'est pourquoi je vous dis. Oh, il est ici. Amen. Je vous dis aujourd'hui, quand vous vous présentez devant Dieu, Dieu ne vous regarde pas. Pour ta justification, il ne te regarde pas. Il regarde la parole qui est prêchée derrière la chair. Amen. Frère Branham dit,
voir avec la rédemption. Tu n'as rien à voir avec la rédemption. Tu as gagné quel concours? Non. Amen. Tu n'as rien gagné. Ton problème, c'est de voir, de regarder la bonne parole. Si la parole est bonne, je voulais dire, si vous avez un bon pasteur comme notre pasteur, si le pasteur est bien, il présente une bonne parole, cela suffit. Amen. Oh, j'ai l'envie de crier. Je vais sauter. Mais ce n'est pas encore la fin. Amen. Attendez, ne vous affolez pas encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Israël, 14 jours après, amen, devait faire quelque chose. Quelque chose avec qui? Regardez, la Bible dit, 14 jours après, finalement, quand tous les Égyptiens sont morts, on les a chassés. Allez-y, on ne veut plus de vous ici. Et tous ceux qui sont sortis avec Israël étaient justifiés. Israël est justifié, amen. Maintenant, dans cette justification, parce que la Bible dit même Lot était justifié. Amen. Lot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement suivi Abraham. Amen. Mais en suivant Abraham, il a été justifié. Amen. Quand vous acceptez ce message, Dieu vous justifie. Amen. Votre problème, ce n'est pas parce que vous avez des diplômes. Dieu ne regarde pas votre diplôme. Il ne regarde pas votre taille. Il ne regarde pas votre niveau d'études. Mais il regarde seulement la parole prêchée. Quand la parole de prêchée est sainte, vous êtes sanctifié par cette parole. Et Dieu vous justifie selon la parole que vous avez reçue. Est-ce que c'est Jésus? Ce n'est pas un Jésus fabriqué. Ce n'est pas un Jésus ajouté. Est-ce qu'on n'a pas ajouté? Si on n'ajoute rien, c'est que c'est la vraie parole, la pure parole. Amen. Et là, vous êtes justifié. Amen, amen. Et après la justification, Israël doit faire quelque chose. Amen. Je crois qu'on aura besoin des tables. Il doit faire quelque chose. Il doit écrire maintenant une lettre de noblesse. La Bible dit que pour sortir à Goshen, pour aller jusqu'à Canaan, il pouvait passer chez les Philistins sans problème. C'est le chemin le plus court. Amen. Mais Dieu dit, niet, allez-y à Soukot. Je vous entends à Soukot. Amen. Il dit, commencez à descendre. Descendez, descendez, descendez. Israël a écrit une lettre de noblesse. Amen. Il a écrit une lettre de noblesse, c'est la lettre V. C'est-à-dire, de Ramsès, c'est là où ils étaient. Ils sont descendus et ils sont remontés jusqu'à entrer dans Canaan. Amen. Il y a eu la justification. Après la justification, ils doivent passer par cette lettre V-là. Et ce n'était pas facile pour atteindre la véritable sanctification. Amen. Mais ce qui est bien, parce qu'ils avaient un prophète. Non seulement un prophète, Frère Branham dit, ils avaient Dieu dans le camp. Amen. Est-ce qu'on peut lire quelque chose dans les yeux du temps de la fin? Amen. Paragraphe 100. Les yeux du temps de la fin, paragraphe 100. Frère Branham dit, il dit, le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Il confirme sa parole. Il l'a démontré. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Moïse. Amen, amen, amen. Dans ce temps de la fin, le Saint-Esprit est notre prophète. Qui le croit? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer pour Jésus? Et Dieu dit, même à l'époque de Moïse, c'était toujours le Saint-Esprit. Je crois que le pasteur nous a donné un passage où le prophète dit, ce n'est pas Moïse qui faisait le miracle. C'est Jésus qui faisait le miracle. Amen. C'est l'ange puissant qui était avec Moïse qui faisait ce miracle. Amen. Et Moïse, Dieu lui a donné 5 livres Pentateuque. Et dans ce livre-là, il dit, je vais écrire un testament avec toi. Il lui a donné Genèse, il lui a donné Exode, il lui a donné Lévitique, Nombre et Deutéronome. Il dit, c'est ça mon alliance. Faites une alliance avec moi. Et avec cette alliance, ils ont écrit une lettre de noblesse. La lettre de noblesse, c'est quoi? La meilleure façon de monter, c'est de descendre. Amen.
dans la brochure. Dieu se cache chez eux dans la simplicité. Frère Branham dit, descendre, la simplicité, c'est la grandeur. Amen. Paragraphe 151. La simplicité, c'est la grandeur. Plus vous êtes simple, plus vous serez grand. Si vous êtes tellement hautain, vous n'aurez pas cette grandeur. C'est ce qui tue beaucoup de gens. Amen. Les gens ne veulent pas se rabaisser vis-à-vis de la parole. Et quand il s'agit, quand il y a une vérité qui sort, vous regardez que c'est la vérité, mais abaissez-vous, vous devez accepter la vérité. Mais quand il s'agit de faire ça, il dit non, 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 je ne peux pas faire une marche en arrière. Amen. J'ai une église qui me paye la dîme. J'ai les enfants à nourrir et envoyer à l'école. Je ne peux pas laisser mon église pentecôtiste, catholique ou protestant, et venir chez vous, rester derrière la parole de Dieu. Amen. Mais la Bible dit, la meilleure façon de monter, c'est de descendre. Amen. Si vous ne voulez pas descendre, vous ne monterez pas. Amen. C'est comme ce prédicateur, la Bible dit qu'il est monté avec beaucoup d'honneur, beaucoup de gros mots. Et Frère Branham dit que s'il était monté comme il était descendu, il serait descendu qu'il était comme il était monté. Amen. Dans toute chose, bien-aimé, Dieu demande la simplicité. Dieu demande de subir des humiliations. Un chrétien qui n'a pas subi les humiliations, c'est pas un chrétien. Amen. Écoutez, depuis que les trois sont sortis dans la fournaise, le quatrième homme est toujours là, dans la fournaise. Il attend chacun de nous. Il attend chacun de nous. Amen. Chacun de nous doit passer par la fournaise. Si nous ne passons pas dans la fournaise, on n'aura pas gain de cause. Amen. Les persécutions peuvent arriver. Quand Israël est parti, il a commencé à écrire la lettre V, la lettre de la noblesse. La Bible dit qu'il y avait beaucoup d'opposition. Amen. Il y avait beaucoup d'opposition. Mais ce n'était pas l'œuvre d'Israël, c'était l'œuvre de Dieu lui-même. Amen. Écoutez ce qu'il dit dans Deutéronome 8. Il dit, moi-même là, c'est moi. C'est moi, tout ce que vous avez vécu, c'est moi-même qui est la cause. Amen. Écoutez ce qu'il dit, verset 2. Je suis la cause de vos souffrances. C'est-à-dire, j'ai tout fait pour que vous puissiez avoir des caractères. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de l'éprouver, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Amen. C'est Dieu qui voulait humilier Israël. Dieu traite avec chaque croyant comme il a traité avec Israël. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Vous êtes quel genre de croyant? Si vous ne passez pas par les humiliations, vous n'aurez pas le royaume des cieux. Amen. Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'éprouver que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Et puis il a continué à parler. Il dit, même ton vêtement n'était pas usé. Amen. Bien-aimé, la sanctification, c'est l'étape la plus longue de la marche chrétienne. Amen. Pour la justification, là, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Dieu t'a fait grâce de te retrouver au bon endroit, de prendre une bonne parole, parce que tu as reconnu ton jour, et tu as reconnu le message de ton jour. Amen. Il t'a donné un bon pasteur, il t'a donné de bons frères et de bonnes sœurs qui t'encadrent dans la vie chrétienne. Amen. Pour la justification, Dieu dit que toi, tu n'as rien à voir dans cette histoire. Amen. Mais la sanctification, c'est ta part maintenant. Lui, il a fait sa part de te justifier, de te présenter au bon endroit. Mais quand il s'agit de la sanctification, c'est toi maintenant qui dois travailler.
Comment tu vas travailler, c'est-à-dire de supporter les souffrances. Si vous ne supportez pas les souffrances, vous êtes un bâtard. Amen. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez supporter les souffrances. Amen. Alors, Israël a écrit cette lettre de noblesse qui symbolise la victoire. Amen. Si vous voulez être triomphateur, vous devez accepter ce que Israël a subi dans le désert. Amen. Ils sont descendus. Ils sont descendus, ils sont remontés après. Si vous ne voulez pas descendre, vous voulez seulement monter, et que vous ne vous humiliez pas derrière la parole, vous n'aurez pas ce que Dieu a prévu pour vous. Amen. Et la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Amen. Je vais me dépêcher parce que je risque d'avoir une lettre de diacre ici. Amen. Comme je respecte les diacres, je ne vais pas abuser du temps. Amen. Et ça, c'était le premier testament. J'ai dit bien le premier testament. Et quand on arrive au deuxième testament, amen, Paul, là où nous avons lu dans Galates, il dit, quand le Saint-Esprit est venu en moi, quand j'ai rencontré l'ange, je suis allé travailler, je suis allé évangéliser. Amen. Et il dit, 14 ans après, je dois rentrer à Jérusalem pour donner, faire les rapports. Amen. 14 ans après, c'était le tournant de la vie de Paul. C'est là où Paul a reçu le testament, le deuxième testament. C'est là où Paul a eu la capacité, la possibilité d'écrire les 14 livres. Amen. De la Bible. Et Frère Branham dit que c'est Paul qui a écrit le Nouveau Testament. Les autres, ce sont des scribes. C'est des gens qui écrivaient seulement comme ça. Mais quand il s'agit de Paul, Paul a fait l'alliance avec Dieu. Amen. Et c'est là où on parle du testament. Et Paul, en écrivant le testament avec ses 14 livres, il a regardé la promesse divine. Qu'est-ce que dit la promesse? La promesse dit que l'évangile doit voyager. Tout comme l'éclair part de l'Orient et se couche en Occident, l'évangile va faire cette trajectoire. Amen. Et il regarde encore une autre promesse. La Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 7 à 8, à 9. Amen. Il dit, et donc, les apôtres, étant réunis, ils s'approchèrent de Jésus. Et il lui posa la question, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël comme le sein retranché? Amen. Comme le ouin retranché? Il dit, non, ce n'est pas à vous de connaître le jour ou la date que mon Père a fixé par son autorité. Mais vous recevez une puissance. Oh là là, vous recevez quoi? Une puissance. L'évangile de Dieu consiste à la puissance et non à la lettre. La lettre tue, mais c'est la puissance qui vivifie. Amen. Vous recevez une puissance. Vous ne serez pas des grands parleurs, des blagueurs, mais la puissance de Dieu vous sera à vous. Amen. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins dans toutes les jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Paul dit, ça y est, maintenant, il me faut faire ce trajet-là. Amen. Je vais faire ce trajet. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il y a le tableau? Ouais. Je vais faire ce trajet. Amen. Écoutez, quand Dieu a créé le monde a quatre carrés, quatre coins. Amen. Quand les gens disent le monde est rond, ils n'ont qu'à dire le monde est rond. Amen. Mais nous, les croyants, nous savons que le monde est carré. Amen. Et quand il crée le monde, il a créé quatre hémisphères. Hémisphère Est, Nord, Ouest et Sud. À l'Est, on appelle ça l'Orient. Au Nord, on appelle ça le Septentrion. Et à l'Ouest, on appelle ça l'Occident. Et au Sud, on appelle ça le Midi. Amen. Et quand il a créé, il crée le monde, il dit, il faut que l'évangile arrive à l'Ouest. Mais l'évangile ne peut pas arriver à l'Ouest sans passer par le Nord. Ça touche les deux hémisphères. Pour arriver à l'hémisphère Ouest. Amen. Israël a commencé ici. L'apôtre Paul a fait son 14 ans après. Amen. Ici, c'est William Marion Branham
qu'il doit faire aussi, c'est 14 ans après. Amen. Vous avez les âges de l'église. Israël est monté. Et monté, ici c'est l'Europe. On appelle ça quoi? Le septentrion. De l'ouest, de l'est au septentrion, il y a eu des âges. Ça a commencé par Paul. Paul a écrit sa lettre de noblesse. Il a conjugué le verbe V. Amen. Mais quand on arrive à Irénée, Irénée aussi doit conjuguer le verbe V. Et quand on arrive à Martin, Martin fait V. Même Colomba, V. Amen. Vous savez pourquoi? Et quand vous allez vous remarquer, vous allez dire, mes frères, ici ce n'est pas la lettre V. Votre V inversé. Vous avez quel genre de V comme ça? Le V est inversé, pourquoi? Parce que il y avait l'embouteillage, comme dit le pasteur. Amen. Il y a l'embouteillage. L'embouteillage est rentré quand? Quand Dieu a lancé son évangile, le Saint-Esprit est descendu. Et au même moment, la marque de la bête aussi est descendue. Amen. Et quand on arrive, quand le Saint-Esprit commence à marcher avec son peuple, l'Antichrist aussi a commencé à marcher. Le cavalier d'Apocalypse 6.1, lui aussi, il a pris sa course. Il est monté sur le cheval. Il a commencé à faire cavalier. En d'autres termes, les quatre insectes de Joël sont rentrés pour détruire l'arbre de l'épouse. Amen. Voilà pourquoi ça ne fait que monter comme ça. Mais à tout moment, à chaque âge, on écrivait la lettre V. Il y avait la victoire au vainqueur, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Et quand vous avez vaincu, vous avez la lettre V. Amen. Ils avaient toutes ces choses-là. Et jusqu'à Colomba, jusqu'à Luther, Wesley et William Marion Bonham, tous ont conjugué la lettre V. Amen. Finalement, l'évangile est arrivé à l'ouest. Amen. Et quand l'évangile arrive à l'ouest, ce n'est pas la fin de toutes choses, n'est-ce pas? Ce n'est pas la fin de toutes choses. À l'ouest, Dieu nous a promis que l'avènement du Fils de l'homme partira de l'Orient jusqu'en Occident. Il y avait un Fils de l'homme à l'Orient. Il faut qu'il y ait aussi un Fils de l'homme à l'Occident. Amen. Mais ça va se passer comment? Posez-moi la question, ça va se passer comment? Amen. Moi aussi, je ne sais pas. Mais Dieu le sait. La Bible le sait. Amen. Et quand on arrive à ce niveau, ça nous donne la possibilité d'étudier ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Amen. Puisque nous avons les quatre coins, nous avons les quatre coins cardinaux, nous avons les quatre hémisphères, nous avons touché les trois hémisphères, le quatrième hémisphère, on n'a pas touché. Amen. Et ça nous rappelle ce qui s'est passé dans le désert. Quelqu'un peut dire amen? Je vais dessiner le tabernacle dans le désert. Dans le désert, Dieu a montré le plan du ciel à Moïse. Il a dit, fais le tabernacle. Tu feras selon le modèle que tu as reçu au ciel. Amen. Moïse est monté jusqu'à la septième dimension. Et Dieu lui a montré le modèle. Et quand il a fait faire le tabernacle, même si Bethsaïlé, qui était plus intelligent, a fabriqué beaucoup de ustensiles, mais c'était selon le modèle que Dieu avait montré à Moïse, son serviteur. Amen. Et dans ce tabernacle, il y a quatre instruments essentiels que j'aimerais mentionner ici. Il y avait la cuve de rein, il y avait la table de pain de proposition, il y avait la table de parfum, l'autel de parfum, et il y avait le chandelier d'or. Amen. Et ça, ce sont des instruments très nécessaires, les ustensiles sacrés que Dieu a donné à Israël. Et c'est le modèle du ciel. Et quand Paul, à l'ouest, il parle de la parole de Dieu, c'était la parole de la grâce. Dieu a prôné la grâce à l'est. Dieu a prôné la grâce en Orient. C'est l'Orient qui a amené cette grâce. Les païens ont la grâce. Les païens qui étaient perdus, ils ont mené la grâce. Et ils ont propagé cet évangile. Cette parole de grâce. Amen. Et c'était la cuve de rein. C'est-à-dire, le jugement
Mais vous êtes jugé et vous êtes gracié. Amen. Et quand on arrive dans la, pain, la table de pain de proposition, écoutez, Frère Branham dit que le pain, c'est la parole. Amen. Dans la bouche, Élie et la farine. Amen. Voilà. Donc, le pain, c'est la parole. Une parole, c'était d'abord un blé. Le blé qu'on doit cribler. On doit cribler ce blé-là. On rend le blé moulu. Ça devient mou. Et après, on va commencer à faire la pâte. Pâte, ça vient du verbe souffrir. Quelqu'un peut dire amen? C'est un croyant qui doit passer par la souffrance. Ça a commencé par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est le pain des propositions. La manne cachée. Amen. Et il est passé par le four. Beaucoup de souffrances. De sorte que quand l'évangile arrive, la parole de Dieu arrive au nord, c'était une parole d'évangélisation. Quand les Européens ont pris l'évangile, ils ont évangélisé partout. Ils ont propagé l'évangile partout. Amen. Ils ont évangélisé l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Amérique et l'Océanie. Ils ont évangélisé. Maintenant, quand vous regardez ici, vous avez l'autel de parfum. Dans cet autel de parfum, le parfum, c'est quoi? Ce sont des paroles de mystère. Amen. Depuis là, il n'y avait pas de mystère. Mais quand on arrive à l'ouest, Dieu déverse des mystères. Des paroles de mystère. Amen. Quand on arrive à ce mystère-là, il faut que le mystère soit propagé partout. Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que nous sommes les derniers, nous, au sud ici. Et comme nous sommes les derniers à voir aussi notre part, nous regardons d'abord à l'ouest. Amen. Si vous ne regardez pas à l'ouest, vous ne comprendrez pas. Amen. Il faut d'abord regarder à l'ouest. Israël, nous devons regarder à l'ouest. Amen. Qu'est-ce qui se passe à l'ouest? À l'ouest, le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Et quand il se couche à l'ouest, on dit c'est fini, il n'y a plus de soleil. Mais quelqu'un a crié, c'est le lever du soleil. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le soleil naturel se lève à l'est et se couche à l'ouest. Amen. Mais le soleil spirituel, quand il s'est levé à l'est, quand on arrive à l'ouest, français facile, amen, il s'est levé encore. Il s'est levé encore pour éclairer le monde. Amen. Et quand le soleil se lève pour éclairer le monde, c'est là où Dieu regarde la chose. Il dit, je dois maintenant faire un tour au sud. Amen. Avant qu'on arrive au sud, la lumière doit paraître. Amen. Et quand la lumière a paru, vous allez comprendre qu'à un certain moment, Dieu a utilisé son serviteur. Et là, en l'an 33, le 11 juin, quand il baptisait la 17e personne, une voix s'est retentie. Amen. Et la voix disait que comme Jean-Baptiste a été envoyé, moi je t'envoie pour la seconde venue. Amen. Et remarquez, nous sommes à l'an 33. Et quand on arrive 14 à l'an 33, c'est en l'an 47 que l'ange visita Frère Branham. À 14 ans après. 14 ans après, il visita Frère Branham. Amen. Et je vais vous mettre en confiance. Amen. Dans la brochure, la fête des trompettes, nous allons voir le prophète. Qu'est-ce qui est arrivé avec le prophète? Amen. Dans la brochure, la fête des trompettes, paragraphe 243-45. 243-245, il dit, le Saint-Esprit a été lié par ce fleuve dénominationnel depuis près de 2000 ans. Mais il doit être délié au temps du soir par le message du temps du soir. Le Saint-Esprit dans l'église de nouveau. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit dans l'église de nouveau. Christ lui-même est révélé dans la chair humaine au temps du soir. Il a dit, il a promis. Il y a eu trois étapes, comme le disaient les martyrs. L'âge de martyr à cause de cela. Ensuite, l'étape des réformateurs. Et maintenant, la période de l'appel à sortir. Quand il serait mené à terme de l'âge, amen,
Je peux lire rapidement 265. Il dit, et entre la sixième trompette, entre la sixième trompette et la septième trompette, un prophète doit se présenter devant ceux des nations pour appeler les gens à revenir à la doctrine pentecôtiste originale. Amen. Vous voyez là où nous situons le prophète? Le prophète a été suscité à dessein par Dieu lui-même. Amen. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui présumait. Il dit, je m'en vais m'aventurer. J'ai commencé une église et finalement, je vais m'appeler prophète. Mais Dieu avait préparé le prophète d'avance. Amen. Dans la brèche, entre les sept âges. Amen. Brèche entre les sept âges. Au paragraphe, je suis à la page 75. À la page 75, supportez-moi comme ça, parce que ça viendra. 75, paragraphe 37, il dit, bon, vous voyez, le mystère de ces livres scellés, de sept sceaux, sera révélé quand le message du septième ange de l'Église sera proclamé. Voyez, le septième ange commence à sonner de la trompette, et voilà les messages qui ont été mis à l'écart, à l'écrit, et là, et nous les avons sous forme de bandes, sous forme de brochures. Donc, quand le message commencera à être proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait pour vous, s'accomplirait. Vous voyez, il dit, à ce moment-là, maintenant, remarquons bien, le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message du septième ange n'a pas été proclamé. Amen. C'était une condition sine qua non. C'était obligatoirement. Il faut que le messager du septième ange proclame le message. Il doit prêcher. Amen. C'est ce qu'il a fait. Amen. Il doit prêcher, expliquer le mystère. Puisque la dispensation de l'Ouest, c'est une dispensation de mystère, il faut qu'il présente ce mystère-là. Amen. Mais ça doit être un ange de Dieu. L'ange de l'église de Laodicée. Amen. Il a présenté ce mystère. Et la Bible dit dans, le prophète dit dans l'âge de l'église d'Éphèse, prêché en 1960, paragraphe 39. L'ange de l'église d'Éphèse. Oui. L'âge de l'église d'Éphèse, plutôt, prêché en 1960, il dit, paragraphe 39, il dit, au jour où ces sceaux devront être ouverts, le mystère de Dieu serait terminé. En d'autres termes, Dieu serait connu de son Église. Non pas comme trois personnes, il n'y aura plus de Trinité, mais comme étant une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé, et lorsque cela serait complètement révélé, alors le mystère s'ouvrirait à l'Église, parce qu'alors l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Écoutez le meilleur. Lui se mouvant ceci, de là, montrant par des signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous, qu'il est vivant parmi nous. Et alors, nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Amen. Écoutez, j'ai discuté avec une femme, la femme d'un pasteur pentecôtiste. Il dit que, mais vous dites quoi là? Hier, qu'est-ce que Branham a apporté de plus? Il dit, oh, sœur, vous ne connaissez pas. Branham a apporté beaucoup. Est-ce que Branham a un message? Il dit, oui. Branham, je suis désolé, Branham a un message. Amen. Oh non, c'est que la Bible dit, ça suffit. Il dit, non, 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 non. Là, la Bible, c'est un livre scellé. Pour comprendre la Bible, il faut avoir l'esprit de Dieu avec toi. Vous avez quel esprit? Quand vous rejetez Christ, Laodicée a rejeté Christ. Il a mis Christ dehors. Il a mis la révélation dehors.
quand vous mettez la révélation dehors, qu'est-ce qui va arriver? Ce sont des présomptions, n'est-ce pas? Vous allez présumer, présumer, continuer à présumer, n'est-ce pas? Mais nous, nous acceptons la révélation. Parce que Dieu ne fait pas quelque chose sans avoir révélé à ses serviteurs le prophète. Amen. Nous, nous croyons au prophète parce que Dieu passe par le prophète pour nous parler. Le peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Amen. Et comme nous avons dit, je lui ai dit ça, il dit, il y a beaucoup de choses. Vous croyez seulement la Bible, mais la première Bible, ce n'est pas cette Bible. Amen. Je suis désolé. Amen. Mais il y a les zodiacs. Il y a la pyramide. Il y a cette Bible. Même cette Bible-là, ce n'est pas comme vous le voyez. Le livre le plus ancien, c'est Jean 1:1. Dans la Bible. Je vais dire Job. Amen. Amen. Et après Job, c'est Jean 1. Jean 1:1 a commencé avant même. Avant même que Job n'apparaisse. Amen. Il dit, je suis désolé. Il y a beaucoup de choses à voir dans cette Bible ici. Quand, si vous avez la révélation, vous comprendrez que Jean 1:1 est plus ancien que Genèse 1. Amen. Et quand vous rentrez dans les écrits, vous allez voir que les livres qu'on a écrits d'une manière chronologique, le premier livre qu'on a écrit, c'était le livre de Job. Amen. Il y a beaucoup de choses. Quand nous parlons des sceaux, vous ne comprenez rien. Amen. Ah, parlons des sceaux maintenant. Amen. Quand on parle des sceaux, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable d'avoir l'intelligence pour calculer le nombre de la bête? Il n'y avait personne. Amen. Et Dieu nous a envoyé un prophète, un homme humble, comme Jean-Baptiste. Il n'a pas fait de grandes écoles. Il n'est pas allé faire la théologie. Et Frère Branham dit que si Jean-Baptiste était chez les pharisiens, chez les sadducéens, il allait présenter même 1000 Christ. Parce qu'il a des critères. Il dit d'après la doxologie, d'après l'éthique et déontologie, d'après la méthodologie, d'après ceci, cela, je vois que celui-ci, c'est le Christ. Il change, il dit, mais lui aussi, c'est le Christ. Non, lui aussi, c'est le Christ. Lui aussi, c'est le Christ. Parce que le pharisme va aller l'aveugler. Amen. Et comme il est allé dans le désert, il n'a pas fait de longues études. Amen. Et il a montré Christ, l'unique Christ. Amen. Et il a fait correctement. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, je lui ai dit, quand on parle des choses de Dieu, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas, dans ce temps de la fin, ignorer Branham. Parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Aussi longtemps que chez vous, les sons ne sont pas brisés, vous n'avez pas de révélation, vous n'adorez pas un Dieu vivant. C'est ce que nous venons de lire ici. Nous adorons un Dieu vivant parce qu'il a révélé les choses. Il a dévoilé les choses. Quand ce n'est pas dévoilé, quand c'est voilé, vous priez un Dieu qui n'est pas vivant. Amen, 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 amen. Et ça, ce sont des promesses. Vous savez, je vais vous dire une chose. Souvent, les prédicateurs ne disent pas. Amen. Dans ce monde, Dieu a utilisé des hommes. Quand le réveil a commencé en Irlande, le réveil est venu en Amérique, il y a eu un homme de Dieu qu'on appelait Charles Price. Amen. Prenez votre Google, cliquez Charles Price, vous allez voir. Et quand Dieu utilisait cet homme, il y avait des miracles. Et comme Dieu veut utiliser William Branham, il veut une puissance plus élevée. Il dit, j'attends Charles Price. Il a attendu Charles Price. Et quand Charles Price est décédé, il a pris sa puissance. Il l'a mis en Branham. Amen. Et quand Wigglesworth, c'était un grand prédicateur. Amen. Et lui aussi, quand il est décédé, il a pris sa puissance, il l'a mis en Branham. Amen. Écoutez, il est dit dans l'agneau de Dieu, l'agneau et la colombe. Vous allez lire le paragraphe 74. Frère Branham dit que les deux sont morts. L'un est mort aujourd'hui, l'autre est mort le lendemain. Amen. Si vous allez voir, vous regardez, vous allez voir les dates. Toujours au mois de mars. Amen. Il dit, le surlendemain, l'ange m'a visité. Nous sommes à l'an 47. L'ange visita le frère Branham. La même nuit, l'ange a visité Israël. Israël s'est préparé pour avoir un pays, une nation. Et
une nation à l'an 48. Quand l'ange a visité le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, va à l'ouest. Il dit, mais pourquoi je dois aller à l'ouest? Non. La position géographique, que là où tu te tiens maintenant, je ne peux pas te visiter. Et tu ne peux pas voir ma main puissante avec cette position géographique. Amen. Il faut aller à l'ouest. Et quand nous suivons, Frère Branham, en 1948, il était déjà à l'ouest. Et quand il est à l'ouest, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, attendez. Il a attendu 14 ans durant. Il est allé dans un état qu'on appelle Arizona. Arizona, 7 lettres. Capitale d'Arizona, Phoenix, 7 lettres. 7 plus 7, 14. Amen. Quand on arrive en 1962, amen. Quand on arrive en 1962, il regarde comme ça, il dit, oh, 14 ans se sont écoulés. Amen. Qu'est-ce que je veux faire? Commence à se tourmenter. Comment c'est la matin? Seigneur, est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est maintenant? Monsieur, c'est l'heure. Est-ce vraiment maintenant? Est-ce que vraiment maintenant? Seigneur. Et même quand vous suivez sa prière, dans la brochure qu'on appelle le combat, paragraphe 39, Frère Branham dit, cette année, nous sommes le 31 décembre 1962. Amen. Il dit maintenant, là où nous sommes là. Vraiment, l'année qu'on va commencer, je souhaite que tu remplisses ton peuple, tu tabernas ton peuple, et que la pierre de fête vienne à l'église. La pierre de fête, c'est l'ange puissant. La pierre de fête, c'est la perfection. Amen. Christ doit descendre. Amen. Et la descente de l'ange, c'était quand? Quelques jours après, le 28 février. L'ange est descendu. C'est la seconde venue. Et dans cette seconde venue, on a crié, c'est le lever du soleil. Amen. C'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Parce que nous étions dans l'âge des poissons croisés. Il dit, ce n'est plus l'âge des poissons croisés. C'est l'âge du lion maintenant. Amen. Et vous devez quitter Laodicée. Vous n'êtes plus dans la Odyssée. Vous commencez l'âge de l'épouse. Dans l'âge d'épouse, le prophète, c'est Jésus lui-même. Amen. Et quand on arrive à cet âge-là, amen, l'Église doit écrire une lettre de noblesse. Qu'est-ce qu'on a regardé? Qu'est-ce qu'on a vu? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Amen. On a regardé. On a vu quoi? On a vu qui? Amen. On a vu quelque chose. Amen. On a vu quelque chose. Quelqu'un peut dire amen? 14 ans après. Je vais lire quelque chose. Après, on va chambouler les choses. Amen. Il y aura un pénalty. Comme dit le pasteur, il y aura un pénalty. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Messieurs, paragraphe 27, prêché en 1961. 27 à 28, il dit, je prends vers le bas, c'est la vérité. Dieu nous donne cela en trois testaments. Oh là là, Dieu nous donne cela en trois testaments. Le premier testament avec Moïse, combien de livres? 5 livres, Pentateuque. Deuxième testament avec qui? Avec Paul, combien de livres? 14 livres. Troisième testament, c'est là. Ça a commencé. Amen. C'est pas moi, c'est le prophète. La Bible, c'est l'histoire de ce que Dieu était. Ainsi, l'histoire de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est l'histoire du Nouveau Testament et le concile des pères, le père Nicée et le concile post-nicéen constituent donc l'histoire de l'Église. Et maintenant, l'histoire s'est faite comme autrefois. Une histoire qui, cette fois-ci, ne sera jamais écrite. Je crois que vous n'avez pas compris. Frère Branham dit cette fois-ci, l'Ancien Testament, on a écrit. Le Nouveau Testament, on a écrit. Mais cette fois-ci, une histoire est en train d'être écrite. Mais, plutôt annoncée, mais ça ne sera pas écrite. Amen.
Quelle est cette histoire qui ne sera pas écrite? Amen. Frère Branham dit, non, l'avenue est maintenant proche. L'histoire ne sera pas écrite. Pourquoi l'histoire ne sera pas écrite? Parce que ça concerne l'épouse. Dieu ne veut pas que les autres comprennent. L'épouse a un secret. L'épouse a un secret. Et ce secret-là, c'est le petit livre. Le petit livre est là. C'est le livre qui contient le mystère de Dieu. Les sept tonnerres, les sept âges de l'Église, les trois poules. Amen. Comme on dit, cette parcelle n'est pas à vendre. Naboth disait, ma vigne n'est pas à vendre. Écoutez, je vous dis une chose. Le septième sceau ne sera jamais à vendre. Amen, amen, amen. Quand vous avez vendu le premier sceau, vous avez donné aux pentecôtistes, ils ont prêché. Vous avez vendu le deuxième sceau, les pentecôtistes ont prêché. Amen. Ils disent, cette fois-ci, le septième sceau doit rester secret. Ça concerne l'épouse seulement. Tu donnes ça à un prédicateur pentecôtiste, il est obligé de mettre William Marie Branham là-dedans. Sinon, il sera obligé de se taire. Amen. Parce que le sept sceau n'est pas à vendre. Naboth disait, ma vigne n'est pas à vendre. Cette parcelle n'est pas à vendre. Amen. Oui, ce n'est pas à vendre. Et la nuée de gloire est venue juste pour nous présenter sa présence. Pour dire que je suis là avec vous. Quand on regarde la nuée de gloire, frère, je veux qu'on examine un peu la nuée de gloire. Amen. Allons-y, c'est le lever du soleil. Regardons la nuée de gloire. C'est le lever du soleil. Paragraphe 10. Il dit quoi? C'est le lever du soleil. Paragraphe 10. Maintenant, prenons. Il dit, si vous voulez suivre la lecture ou prendre des notes à ce sujet, juste, je ne crois pas qu'il serait convenable de tenir une réunion sans lire la parole de Dieu, sans en faire quelques commentaires, qu'il s'agisse d'un service de guérison ou de tout autre. Il dit, nous comprenons tous. Je suppose qu'il n'y a aucun étranger parmi nous. Mais nous comprenons tous, c'est que la guérison, ce n'est pas ce que quelqu'un fait pour vous. C'est ce que Dieu a déjà fait pour vous. Amen. Ah, ça c'est, lisez la nourriture convenable. C'est le lever du soleil où? Amen. Je crois que vous avez ça là-bas sur l'écran, n'est-ce pas? Paragraphe 10. C'est le lever du soleil. Il dit, la science a photographié cela sur tous les parcours depuis Mexique, alors qu'elle s'est déployée depuis le nord de l'Arizona, là où le Saint-Esprit avait dit que je me tiendrai. Là où le Saint-Esprit avait fait quoi? Avait dit que je me tiendrai. En d'autres termes, c'était une consigne. C'était une injonction. Frère Branham ne pouvait pas se tenir en un autre endroit. Amen. Il devait se tenir toujours là. Amen. Là où je me tiendrai. Environ 40 000 machins. Ouais. Au nord-est de Texon. Et cela s'éleva dans les airs et le magazine Life en a publié des photos. Amen. Vous savez, bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu de précision. Dieu ne faillit jamais. Il ne faillira jamais. Il dit au prophète, quitte à l'est, va à l'ouest. Amen. Pourquoi? Parce que le milieu géographique que le prophète doit se tenir, ça compte. Amen. Pourquoi? Parce que, regardez Abraham, dans Genèse 12, quand Abraham arrive quelque part, il dit, quand Dieu lui parle, il comprend que Dieu lui a parlé. Il est arrivé d'abord à Sichem. Il a fait l'autel. Et quand il arrive à Bethel, il a érigé l'autel. Quand il arrive à Hébron, il a érigé l'autel. Quand il voulait
sacrifié Isaac, Dieu a pourvu et la voix a retenti. Dieu a prêté serment. Abraham a fait l'autel. Amen. Plus tard, son fils, son petit-fils Jacob, il est allé quelque part, il a vu cet autel. Amen. En d'autres termes, avec Jacob, c'était de l'audiovisuel. Alors que avec Abraham, c'était de l'audio. Pourquoi Abraham érigeait toujours les autels? Parce que il voyait les réseaux. Parce qu'il y avait des réseaux là-bas. Amen. Et quand il arrive quelque part, il dit, oh, Dieu m'a parlé ici. Donc il y a les réseaux ici, hein. J'ai donc érigé l'autel. Il érigeait l'autel partout où il y avait les réseaux. Amen. Parce que c'est là où il rentrait en contact avec Dieu. Amen. Il ne faisait pas des choses pour faire. Il dit, là, Dieu m'a parlé. Il y a un réseau. On fait quelque chose. Amen. Amen. Cela vous rappelle Macpela, n'est-ce pas? À Macpela, on a dit non. Pourquoi tout le monde parle toujours de Macpela? Parce que Job a vu la résurrection là. Amen. Parce qu'il y avait le réseau. Il y avait du contact. Amen. Le contact était là. Et la télévision, la radio a commencé avant même Abraham. Mais Abraham a vu les ondes de la radio. Et il a saisi cette onde-là. Amen. Tous vos téléphones que vous avez ici, 4G, Abraham avait ça. Quelqu'un peut dire amen? Parce que quand il arrive à Sikhem, il dit, il y a les réseaux ici. Je ne peux pas faire échapper les réseaux. Je vais construire l'autel. Alléluia! Il a construit l'autel. Amen. Il a construit l'autel. Et quand on arrive à Morija, quand Dieu lui parle, il lui dit, tu vas faire cela. Et quand tu vas faire cela, moi-même, je vais te bénir. Il voulait faire ça, il dit, non, 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 je te donne un substitut. Il a donné un bélier. Amen. Et Dieu parla à Abraham. Abraham construit l'autel. Quelqu'un peut dire amen? Vous savez ce qui est arrivé? Quand David est devenu roi, il dit, Seigneur, je vais te servir, mais je vais commencer où? Il dit, à Hébron. Hein? À Hébron, c'est où? C'est là où il y avait des réseaux. C'est là où on enterrait Abraham. C'est là où on enterrait Léa. C'est là où il y avait la connexion. Les hommes de Dieu, c'est la connexion. Ce qui compte, c'est la connexion. S'il n'y a pas la connexion, c'est zéro. Amen. Il dit, je vais aller là-bas. Et il est parti à Hébron, il a fait 7 ans. Et puis, comme c'est un prophète, il a regardé, il dit, oh, mais le mont Morija, là, nous appartient. Il y a les réseaux là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer Jérusalem. C'était Jébus. Amen. Mais là, c'est là où le roi de Salem a donné la dîme. Abraham a donné la dîme à Melchizedek. C'est là où Dieu a amené Abraham à sacrifier Isaac. Donc il y a quelque chose là-bas. Amen. C'est ce qui détruit le monde entier aujourd'hui. S'il y a conflit, le conflit, la pierre de tout, c'est Jérusalem. La pierre de tout, ce n'est pas Rome. Ce n'est pas Vatican. Amen. La pierre de touche, ce n'est pas Maison Blanche. La pierre de touche, c'est Jérusalem. Jérusalem, là où Dieu avait prêté serment pour Abraham, il a érigé le temple de Dieu. Dieu était content avec ce temple. Écoutez, je vais vous dire une chose. Israël sans le temple de Dieu, ce n'est pas Israël. Amen. J'attends quelqu'un dire amen. Le temple de Dieu sans l'arche de l'alliance n'est pas le temple de Dieu. Amen. L'arche. Amen, amen. Tout c'est comme ça. Israël sans Jérusalem n'est pas Israël. Jérusalem sans le temple de Dieu n'est pas Jérusalem. Et le temple de Dieu sans l'arche de l'alliance n'est pas le temple de Dieu. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a le combat. Parce que à 30 mètres de la mosquée d'Omar, amen, il y a du trésor. Amen. On veut récupérer la place. Quelqu'un peut dire amen? Amen, amen, amen. Maintenant, frère Branham ne pouvait pas se retrouver ailleurs si ce n'est l'endroit où on lui a donné. Amen. Écoutez, quand il se retrouve là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une chose. Dieu veut que ce soit l'alignement. S'il n'y a pas d'alignement, frère Branham allait échouer. Amen. Dans l'opprobre, dans la brochure l'opprobre,
Psaume 62, parable 224. L'opprobre 224, il dit, ceci. Ah oui, je vais prendre au millier. Pardon. Il savait, pendant que ces étoiles se trouvaient, on parle de mages ici, dans cette position, et là, même les astronomes aujourd'hui disent, si jamais ces étoiles revenaient dans cette même position, elles se verraient comme une seule étoile depuis le point où ils se trouvaient. Mais il fallait qu'ils se trouvent à cet endroit-là pour les voir. Amen. Écoutez les prophètes, il dit, cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Cela dépend de ce que vous regardez. Ah oui, oui. Donc, ils l'ont vu et ils l'ont suivi. Ils étaient exactement dans la ligne où qu'ils se trouvent. Elles étaient exactement alignées avec eux. Elles les conduisaient, c'est l'étoile. Voyez, comme quoi il faut que vous ayez toutes les écritures alignées. Toutes et que vous restiez alignés avec ces écritures. C'est la seule manière. Cela vous conduira tout droit à lui. C'est certain. Amen. Frère Branham dit que les mages se retrouvaient à l'Orient. Et Jésus qui s'est né par rapport à la position géographique, un peu à l'Occident. On peut dire Proche-Orient. Amen. Et là-bas, c'est à l'extrême-Orient. Ou bien Moyen-Orient par rapport à l'extrême-Orient. Frère Branham dit que si les mages, Melchior et les autres, s'ils avaient vu, comme ils avaient vu trois étoiles, ils pouvaient dire, oh, il y a trois dieux qui sont nés. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Comme nous sommes à trois, chacun va prendre un dieu, un dieu, un dieu. Amen. S'ils étaient à l'ouest, ils allaient voir trois étoiles. Mais comme ils étaient à l'est, amen, ils ont regardé à l'ouest, ils ont vu une étoile seulement. Amen. Dans cette position-là, vous ne parlez pas de la Trinité. Vous parlez de Dieu Tout-Puissant, le seul qui change de masque, qui change de position. Amen. Il était Elohim. Il a créé. Il est venu. Il a fait l'œuvre de la rédemption. Il est monté au ciel. Il est maintenant avec nous, avec son Église. Le seul Dieu, mais dans plusieurs dispensations. Et quand ils ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile. Amen. Il n'y a eu pas de confusion. Et Frère Branham devait se trouver à l'ouest. Mais je me pose la question, pourquoi il doit se trouver à l'ouest toujours? Amen. Et à quel niveau il doit se trouver pour bien regarder? Amen. Dans la brochure nourriture spirituelle, la nourriture spirituelle, autant qu'on vient à paragraphe 84-85. On peut acclamer pour Dieu. Très bien. Et ensuite, quand cela s'éleva, les grands observatoires, depuis là, en Californie, jusqu'au fond, au Mexique, à Tucson et partout ailleurs, en prirent la photographie. C'était une apparition mystérieuse. Frère Sotman, assis juste là derrière, là, frère Jean-Normand, et moi-même, nous nous tenions juste là, présents. Lorsque cela s'éleva, il prit des photographies, mais il ne savait toujours pas ce que cela, ce que c'était. Il y a quelque temps ici, tout le monde disait, regardez ici, ça ressemble à ceci. Et regardez ses ailes, anges comme elles sont repliées là-dedans. Un jour, tournant cela à droite, j'ai regardé là, c'était Jésus-Christ, tout aussi parfait que Hoffman l'avait peint. Il se tenait là, portant une perruque blanche, regardant en bas, vers la terre, montrant qu'il est
l'autorité suprême. Les cieux le déclarent, la Bible le déclare, le message le déclare. Tout cela. Amen. C'est la même chose, l'autorité suprême. Frère Branham dit à la fin, vous devez la regarder dans le bon angle. Et seul le Seigneur Dieu peut révéler lequel est l'angle correct. Amen, amen, amen. Vous devez regarder le bon angle. Regardez. Tucson, c'est au sud, vers Mexique. Tucson, c'est au sud, vers Mexique. Amen. Et quand le prophète regarde, les gens qui ont pris la photo étaient dans l'état de Californie, un peu au nord, ouest. Et quand il regardait comme ça, il regardait la photographie. Il regardait plutôt l'image. Amen. Sans comprendre la photographie. Et ils ont pris des photos. Ce n'est pas par des appareils photographiques, c'est par des appareils d'observatoire. Amen. Quand ils ont pris la photo, c'était tellement gigantesque et ils n'ont pas compris. Pourquoi l'observatoire devait se retrouver à l'ouest et regarder comme ça? À cause de la position de l'ange puissant. Amen. Je peux prendre l'ange puissant? Amen. Mes respects. Amen. À cause de la position de l'ange puissant. Amen. Regardez la position. Regardez la position. C'est le lever du soleil, paragraphe 16. Suivez. Il dit, avec le blanc, vous les noirs, son visage, sa barbe et ses yeux, et remarquez, il est en train de regarder. C'est de lui que vient cette lumière qui brille à droite, dans la direction où il dirige ses regards. Et à la croix, c'est là qu'il regarda à sa droite où était le pécheur qu'il pardonna dans la lumière de sa résurrection. Nous continuons d'avancer à son nom. Amen. Il regardait où? À droite. Amen. Écoutez, vous êtes des humains, vous comprenez ce qu'on dit. Quand vous photographiez quelqu'un, la personne est devant vous. Quand il regarde à droite, nous sommes vers le sud des États-Unis. On regarde comme ça en photographie, il dit jusqu'au Mexique. Nous sommes toujours à l'hémisphère ouest. Quelqu'un peut dire amen? Et quand Christ regarde à droite, sa droite est où? Regardez la position géographique. La droite est à quel niveau? Vers les tropiques. Il regarda vers les tropiques. Amen. Il regarda le pécheur. Il regarda l'Africain. Amen, amen, amen. Puisqu'ici, il doit descendre. Amen. Avant d'arriver chez l'Africain, il dit, je vais faire la passe à quelqu'un. Amen. Écoutez-moi d'abord. Il doit regarder l'Africain d'abord que nous sommes. Il doit nous regarder, nous qui sommes des pécheurs. Dans la brochure, les sceaux de Pâques, il dit, la bébé noire, moi, Dieu, je ne peux pas me taire jusqu'à ce que la bébé noire retourne à la maison. Paragraphe 265. Dieu nous a regardés. Nous, les noirs. Amen. Il nous a regardés. Et quand il nous regarde, il dit, je vais faire quelque chose avec ce peuple noir. Amen. Il dit, je vais faire quelque chose. Amen. Mais il y a un pénalty à jouer. Amen. Il dit, je regarde. Je dois choisir un pays où l'équateur traverse. Parce que je dois rentrer dans l'hémisphère sud. Amen. Et quand il a regardé, en Afrique, il y a 7 pays hein, qui sont traversés par l'hémisphère sud. Plutôt par l'équateur. Amen. Vous avez la Somalie, le Kenya, l'Ouganda. La RDC, le Gabon, écoutez, le Gabon, Congo-Brazzaville, et vous avez Sao Tomé-Principe. Amen. Il regarda, il dit, c'est là où je vais trouver mon peuple. Quelqu'un peut dire amen? C'est Symphonie, chapitre 3, verset 10. Mon peuple, là où le pays qui est traversé par le fleuve, non seulement le fleuve naturel, mais aussi un fleuve
atmosphérique qui est le soleil qui a traversé. Amen. Et il a regardé. Je vais regarder à droite. Écoutez ce qui se passe. Maintenant, je vais me résumer. Amen. Il se passe que les Européens sont venus nous évangéliser. Amen. Ils ont pris le message de Frère Branham. Ils sont venus. Nous sommes ici en Afrique. Et ils ont là-bas, ils ont fait ça. Amen. Est-ce que la lettre V est respectée? Ça n'a pas été. Amen. C'était la volonté permissive que les Européens viennent nous prêcher la bonne nouvelle. Viennent nous apporter le message. Ils n'en avaient pas les droits. Amen. Parce que Dieu ne pouvait pas travailler comme ça. Et ils sont venus. Mais quand ils sont venus, j'ai suivi un grand prédicateur parler de l'histoire. Amen. Dans son histoire, quand ils ont reçu le message, ils ont propagé dans tout le Congo. Amen. C'est en 77 que tout le Congo avait reçu l'évangélisation. Quelqu'un peut dire amen? Mais il n'y avait que des discussions. Quand on dit que la parole fait chair, oh non. Parce que ils n'ont pas amené le message. Je vous dis la vérité, hein. Voici la chair de mon pasteur. Amen. Ces gens-là n'avaient pas amené le message. Mais ils avaient amené une partie du message. Ils avaient amené la mécanique. Quand ils ont amené la mécanique est venue. Ça a créé des divisions, des discussions dans les églises. Amen. Parce qu'il n'y avait pas la dynamique, il y avait seulement la mécanique. Amen. C'est comme ça que Absalom est décédé. Quand Absalom meurt, la Bible dit, c'est dans quelle Bible? Oui, ici, dans 2 Samuel chapitre 18, la Bible dit que Joab voulait envoyer Cushi pour propager la nouvelle. Amen. Achimat dit, non, moi je vais partir. Laisse-moi partir. Amen. Il dit, non, 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 tu ne peux pas partir. Il dit, je dois partir. Et finalement, il est parti. Il a dit à Cushi aussi, toi pas. Cushi, c'est un noir, un basané. Quelqu'un peut dire amen. Il n'était pas un Israélien pur. Amen. Mais c'était un Éthiopien. Amen. Il dit, toi, tu peux partir. Même si David te tue là-bas, il n'y a pas de problème. Il a commencé à courir. Mais Achimat était tellement rapide. Tellement rapide. Il a couru vite, vite, vite. Il est arrivé. Amen. C'est ça, c'est ce qui symbolise les Européens. Ils ont pris le message ici. Au lieu d'attendre le temps de Dieu, ils sont venus vite nous donner le message. Mais c'était une partie du message. Amen. Ils ont couru vite, ils sont arrivés. C'est ce que le prophète dit, courir sans le message. Amen. David pose la question, as-tu vu Absalom, mon fils? Il dit, bon, moi, il y a eu beaucoup de problèmes, j'ai aperçu. Tu as aperçu? Comment tu peux apercevoir? J'ai aperçu seulement. Tu as aperçu? Donc c'était une vision panoramique. Un homme qui vient témoigner, mais qui n'a pas le message, qui court sans message. C'est ce qui est arrivé à nos frères européens. Amen. Ils ont commencé à propager le message. Mais c'était courir sans le message. Amen. Mais il a fallu que la lettre V soit écrite. Quelqu'un peut dire amen? Il faut que la lettre V soit écrite. Amen. Pour écrire la lettre V, William Marion Branham, il dit, bon, je vais aller en Afrique. Il est venu en Afrique. Finalement, Dieu dit, non, 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 c'est pas toi. Laisse-le-moi, c'est moi-même. Qui suis maintenant l'ange? Je suis le message. C'est l'ange de l'église maintenant, c'est moi. Amen. Ne le fais pas. Amen. Il n'a pas pu prêcher. Frère Branham est venu en 1965, mais il n'a pas prêché. Quelqu'un peut dire amen? C'est symbolique. Et Frère Branham, un jour, dans la brochure de l'accusation, il priait pour deux noirs, Hunt et Coleman. Amen. Il a prié pour eux. Et quand Frère Branham priait pour Hunt, Frère Branham disait qu'il soit un homme juste. Et quand il priait pour Coleman, il dit qu'il soit un homme puissant. Puissant et fort. Amen. C'est là où on a compris, on a fait taire. Hunt va rester toujours pasteur à New York. Mais Coleman a reçu la mission. Dieu a fait la passe à Coleman. Amen. William Marion Branham dit, je vais faire la passe à mon frère. Il a fait la passe à Coleman. Pourquoi? Parce que Dieu traite avec des races. Branham n'était pas un noir. Il était un blanc, n'est-ce pas? Il a aimé les blancs.
mais il faut donner l'évangile à un Américain comme toi, lui comme c'est un noir, et quand il va rentrer en Afrique, le problème ne se posera pas. Dieu ne traite pas avec les nations, mais Dieu traite avec des races. Amen. C'est comme ça que Dieu a traité avec Paul. Pourquoi? Parce que Paul était un citoyen romain. Il avait la race juive, mais il était aussi un citoyen romain. Il était en qualification. Il était à cheval entre Israël et le paganisme. Amen. Et c'est comme ça que Coleman a pris la passe. Il a pris le ballon, il a menti. Amen. Il a menti le ballon. Il a dribblé le ballon. Amen. En 1992, 14 ans après l'église de Kinshasa, l'église de la RDC, il n'y avait rien. Il n'y avait que les discussions. Il y avait des pommes à gauche, à droite. Amen. Dieu, malgré qu'ils étaient des grands hommes de Dieu, chaque homme de Dieu qui pouvait avoir quelque chose, il doit partir aux États-Unis. Il doit partir aux États-Unis, le continent américain. Amen. Mais dans chaque équipe, même si vous avez le maillon vert, des grands grimpeurs, si vous avez le maillot à poids, de l'endurance, mais c'est le maillot jaune qui compte. Vous pouvez sortir, comme on dit, vous allez avoir la victoire d'étape. Amen. Mais cela ne compte pas. Ce qui compte, il faut avoir une victoire d'équipe. Amen. Dieu a pris le ballon. Il a dit, Coleman fait l'affaire. Il a menti le ballon, il a dribblé. Il a fait beaucoup de miracles chez nos frères qui sont en Amérique latine. Amen. Et puis quand il arrive en Amérique, il fait la passe à Baruti. Amen. Il fait la passe à Baruti, notre maillot jaune. Amen. Et quand il donne à Baruti, amen, Baruti prend la chose, il a morti. Amen, amen, amen. Et il faut que Baruti descende à Kinshasa. Amen. Et en 1993, il y a eu du boom. Et le Seigneur a répondu. Le message est rentré en RDC. Le message, c'est quoi? C'est la dynamique et la mécanique. Quand vous nous amenez le style européen, oh, moi je suis Hashimat, je vais courir. Non, tu ne croiras pas. L'Européen ne croit pas certaines choses. Il faut un Africain qui peut croire les yeux fermés. Frère Branham a eu beaucoup d'estime sur les Africains. Amen. Il donne la passe à Baruti. Amen. Moi j'avais dit que quand je vois, j'ai dit au pasteur Kisvidon, il est comme le pasteur est parti à Kisangani. Il a vu toutes ces choses-là. Et je sens son aura commence à monter. Amen. Maintenant, le maillot jaune est ici. Alléluia. Maintenant, le maillot jaune est ici. Amen. Je sais que ça n'a pas encore bien commencé. Ça n'a pas bien commencé, mais quand ça va commencer, amen, vous allez dire que le frère avait raison. Tout ce qu'il avait dit, il a raison. Amen. Et là, on a écrit la lettre V. C'est descendu, c'est remonté. Amen. La lettre V est écrite. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai 10 minutes. Amen. Je vais faire mon témoignage. Je dis, frère, tout ce que tu as dit, mais tu as dit que c'est bon, mais quel est ton problème? Amen. Mon problème est que nous avons maintenant le testament, parce que nous avons le petit livre. Le petit livre, c'est le book one. Quelqu'un peut dire amen? Le premier livre, puis c'était avant la fondation du monde. C'est ce premier livre que nous avons, c'est le book one. Quelqu'un peut dire amen? Et quand vous regardez Jean 1:1, ce n'est que le deuxième livre, parce qu'après l'éternité, nous sommes rentrés dans la création. Amen. Et quand nous sommes dans ça, mon témoignage, c'est que j'ai cru dans ce message. J'étais pentecôtiste depuis 1988. Le même jour, un frère de Rigini m'a prêché la bonne nouvelle. Comme tout pentecôtiste, je me suis entêté. J'avais l'église, j'avais des serviteurs. Amen. Mais ce qui est bien, chaque fois, quand tu parles le mal du prophète, il dit, tu n'es pas vrai. Nous sommes au secondaire et ils sont à l'université. Amen. Et chaque fois que j'arrivais dans mes voyages missionnaires, quand j'arrivais quelque part, il dit, montre-moi, il y a l'église du message. Il dit, oh, mais toi, tu es banamiste. Hein? Non, je ne suis pas banamiste. Non, mais même ta façon de prêcher, la même façon de monter, c'est de descendre. Il dit, non, je ne le suis pas. Amen. J'avais un collègue qui était prédicateur. C'est lui qui m'a découragé. Il commençait à prêcher Branham et Dieu.
ça m'a découragé, j'ai reculé un peu. Amen. Mais 20 ans après, je me rappelle même, je me suis trouvé avec le pasteur Bélessi à Kaemba. Amen. Il y a eu une histoire compliquée de la foudre qui a tué les gens. Et finalement, il m'a recadré un peu. Il dit, je vais faire le séminaire. Il dit, séminaire, ce n'est pas dans la Bible. Il dit, non. Je vais faire une série d'enseignements. Je suis rentré. Et chaque fois quand je partais quelque part, et quand j'arrive à Point Noir, on me dit que des vases, des serviteurs de Rigini, l'un d'eux est rentré au Gabon. C'est le pasteur Moussa qui dit, oh, j'ai senti quelque chose en moi. Il dit, ça c'est mon pasteur. Amen. Il dit, je vais aller le suivre. En 2005, quand je suis arrivé, je suis rentré par Onga. Ce n'était pas d'une manière au hasard. Amen. Je suis rentré par Onga. J'arrive à Franceville. Première des choses, Onga lit. Je dis, je vais voir le pasteur. Il y avait encore la poussière sur la route là. Je vais voir le pasteur. Je ne trouve pas le pasteur. Il dit, ah, mais je vais faire comment? Mais le pasteur, ah, je reviens, j'arrive ici. Comme on appelle docteur, on prêche à gauche, à droite. Mais finalement, en 2008, j'ai reçu le message. C'est à Port-Gentil. Amen. Amen. 20 ans après. Et quand je reçois le message, aujourd'hui, 14 ans après, quel est le bilan? Amen. Je ne suis pas meilleur. Je n'ai pas fait quelque chose d'exploit. Amen. Mais tout ce que je sais, 14 ans après, c'est le tournant. Amen. Hier, je ne savais pas ce qu'on appelle l'onction. Les gens pouvaient parler de l'onction. Je ne sentais rien. Amen. Mais aujourd'hui, c'est différent. Amen. Je ne suis pas ce que je devais être. Je ne sais pas ce que je voulais être. Mais une chose est certaine, je ne suis plus ce que j'étais. Pour toi aussi, c'est pareil, bien-aimé. 14 ans après, fais le bilan. 14 ans après, chacun de nous a 14 ans après. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.